je file un rancard à nos politiciens. Notre idéologie, c'est la défense du soin. Les problèmes de soignants, nous on les connaît bien. Contrairement à Véran, c'est notre quotidien. La suppression des lits, la course aux bénéfices, la rentabilité mais sans humanité. 20 ans de T2A, autant de sacrifices. Un Ségur non bâclé, c'est notre priorité. C'est pas si compliqué. La considération, pouvoir de décision. La crise nous l'a montré, les soignants à gérer. Pour la santé d'après, tu dois nous écouter. Au mois de mars dernier, c'était quoi qu'il en coûte. Au Ségur en juillet, on a manqué d'écoute. Nous restons motivés, au milieu de l'été, un collectif aîné, la santé en danger. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de traiter tes soignants comme ça. Fatigué, la tête à l'envers, on a ni masque ni visière. Un sac poubelle comme protection, tu nous prends vraiment pour des cons. On veut du matos pour bosser et des patients en sécurité. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de traiter tes soignants comme ça. C'est approuvé, les soignants sont à genoux. Épidémie de burn-out, nos vocations en douce. Pourtant nous assurons garde à ce pour que vous. Il y a maintenant urgence pour la santé en France. Nous sommes tous unis de Montmartre en Valence. Aujourd'hui nous ne trouvons plus de sens au travail. Les soignants vont à public privé libéral. Aujourd'hui tu n'as plus le droit. Traiter tes soignants comme ça, fatigué, la tête à l'envers, on n'a ni masque ni visière.